Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Une âme que j'avais déjà vue m'a rendu à nouveau visite la nuit. Elle ne m'a pas demandé de prier pour elle, mais elle m'a fait des reproches en me disant que j'avais été très vaniteuse et orgueilleuse autrefois. Elle a ajouté « Et maintenant, tu intercèdes tellement pour les autres alors que tu as encore des défauts. » J'ai répondu que j'avais été très orgueilleuse et vaniteuse, mais que je m'en étais déjà confessée, que j'avais fait pénitence pour ma sottise et que j'avais confiance en la bonté de mon Dieu. S'il m'arrivait encore de chuter, c'était plutôt malgré moi, jamais avec préméditation, même dans les plus petites choses. Mais cette âme a recommencé à me faire des reproches. « Pourquoi ne veux-tu pas reconnaître ma grandeur, comme tout le monde le fait, en raison de mes hauts faits? Pourquoi es-tu la seule à ne pas me rendre gloire ?» À ce moment-là, j'ai vu que c'était Satan qui se présentait sous cet aspect et j'ai dit « C'est à Dieu seul qu'est due la gloire. Va-t'en, Satan. » Et à l'instant même, cette âme est tombée dans un gouffre effroyable, inimaginable, indescriptible. Et j'ai dit à cette âme misérable que je le ferai savoir à toute l'Église. Que je suis capable de reconnaître mes défauts et mes faiblesses, de mettre confiance en la bonté de Dieu et en sa grande miséricorde? Est-ce que je ne prête pas attention aux incitations d'un esprit mauvais? Est-ce que je ne me concentre pas trop sur ma faiblesse que j'avais déjà confiée à Dieu?